Donc dis-nous, Kaolo, comment as-tu vécu, disons, ces derniers jours? Je disais Kaolo, tu as perdu la langue, après En avoir PLS, perdu un en œil, il PLS a avec perdu la OBS. langue. Pas pratique pour un capitaine. C'est sûr. Alors, la tempête nous a fait du mal. J'ai cru que j'allais crever. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai essayé de monter sur les voiles et j'y suis pas arrivé. Je me suis réveillé, je pensais que tout irait bien. Et voilà que Ruby nous dit que un navire nous course. Apparemment des types qu'elle connaît. La petite Nantaise, la petite Brestoise, je sais pas, j'ai rien compris. En tout cas, apparemment, c'est des enfoirés. On s'est rapprochés, je me suis mis à la barre. Quelle sensation. Bonbonne s'est bien amusée. Pourtant, je lui ai demandé de faire un peu gaffe. Ce bateau, je le voulais. Mais bon. Je peux pas lui en vouloir. On s'est rapprochés, et enfin, c'était l'heure de l'abordage. J'ai pris quatre mecs. On est parti de l'autre côté. Je sais pas ce qui s'est passé pour les autres. J'ai rien vu. Moi, tout ce que je voyais, c'était des ennemis. J'en ai buté un. Un autre. Ça s'enchaînait. Tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Une grenade, quelque chose. Je m'en tapais. Tout ce que je voulais, c'est le capitaine. Je l'ai vu, cet enfoiré. Il restait derrière les autres et il se battait pas. J'ai sauté par-dessus la grenade. Encore une fois, j'ai failli y passer. Mais je me suis relevé, juste devant sa tête. Je voyais plus que lui. Il n'y avait plus que sa tronche qui comptait. Et sa tronche, je voulais qu'elle tombe sur le bois de son bateau. De mon futur bateau. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu le temps de réagir. Il devait pas être si bon que ça. J'ai ramené sa tête à la passe. J'espérais bien qu'il serait reconnaissant. Il l'a été. Il nous a offert le navire. On a choisi quelques membres d'équipage sur ce qui restait de celui de la petite Nantaise. Je me méfie un peu de certains. Déjà, il y a un prêtre. Moi, les prêtres, je peux pas les blairer. Puis il y en a un là, un portugais, je sais pas, il nous regarde bizarre. Pour l'instant, on n'a pas un rond, mais on a un bateau. Je sais pas trop ce qui se passera après. Mais on est parti. Notre bateau. Mon bateau. Enfin. Eh oui, enfin, 3 jours, même 4 jours presque entiers de 3 bonnes journées de navigation, puisque 3 jours et demi en grosso modo, alors que vous arrivez enfin en vue de l'île de la Tortue et de sa baie. Vous voyez que d'abord quelques voiles et puis Ruby en haut d'une pie, tu ne peux que reconnaître cette plage, ces maisons, ce fort qui surplombe Basse-Terre. Oui, c'est sûr, vous y êtes. Vous êtes enfin de retour sur ce port franc français qui est la Tortue. La nuit commence à tomber d'ailleurs, le soleil se couche. Pas tout à fait, mais commence à baisser et rougit l'horizon alors que vous venez tout juste de jeter l'ancre derrière les récifs de Basse-Terre et face au fort. Vous n'êtes pas le seul navire hein, à cet endroit-là. Il y a déjà plusieurs navires, dont celui le valet d'ébène, le navire de la passe qui vous a accompagné jusqu'ici. Les deux navires ont jeté l'ancre et forcément, alors que votre
entre guillemets, équipage est à la manœuvre et finit les quelques petites choses qui restent à faire à bord, mais sûrement temps pour notre cher capitaine ou pour, peut-être pour l'un d'entre vous de dire un mot avant que tout ce petit monde disparaisse dans la nature. Ouais, du coup, j'ai réuni sur le pont avant qu'on arrive. Et je leur dis que... Je leur dis, bon, voilà. Je retiens personne. Vous voyez bien que, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Je vais pas vous promettre mon émerveil. Mais... On va repartir. On a un objectif en tête. Mais pour l'instant, il va falloir qu'on voit petit. Je sais que certains d'entre vous seront sûrement pas... n'ont sûrement pas accepté. Mais moi, je serais content que vous fassiez partie de mon équipage. Si vous êtes d'accord, on se retrouve à la taverne demain soir. Ouais. Ah, c'est pas le grand enthousiasme, Lys. Tu te sens peut-être un peu seul. Hein. Je m'en fous. À moins que vive Ruby, le capitaine Kaolo. Ruby ou Bonbon t'accompagne, mais ah, il y a Juan, si. Mais Juan qui se prépare à faire. Ouais, mais quand il voit qu'il y a pas de grand entrain, tu le vois juste qui lève le poing. Mais non, moi je suis surexcité, je fais ouais, on y va. C'est Blackjack en tant que Posco, forcément, qui prend la parole. Bon, capitaine, pas vous le cacher, hein. On navigue pas avec vous depuis bien longtemps. Pour ma part, je serai prêt de remonter à votre bord. En tout cas, notre rencontre dans la poudre et le sang, ainsi que la fumée et les cadavres, a été quelque peu... Bon, on va dire qu'il y a d'autres manières de rencontrer des gens, mais vous avez montré une certaine bravoure au combat contre nous, et ces 3 jours de navigation ont au moins montré que vous savez mener un bâtiment. Ça me dérangerait pas de vous accompagner, tout en sachant que votre maître canonnier est responsable de l'état actuel du navire. C'est que vous avez des gens qui savent utiliser des pièces aussi. Par contre, je ne vous cache pas qu'il va me falloir un peu autre chose à me mettre sous la dent que de simples... On espère avoir une prise, quoi. Donc, vous pouvez compter sur... sur nous, et quand il dit nous, il se montre, et Montanji, et le marquis, donc le cuistot. Ouais. On en a déjà parlé, nous. Et de ce que je sais, les autres ont un peu le même avis. Le prêtre hausse la tête et dit, si vous m'acceptez à votre bord, on se reverra demain soir. D'ailleurs, il y a plusieurs auberges dans le secteur. Et il faudra que tu fasses un choix sur l'endroit où tu leur donnes rendez-vous. Et étrangement, malgré ton pressentiment, j'ai oublié leur nom. Tisieux et la mèche qui disent ben nous aussi, ouais, bien sûr capitaine, on sera ravis de remonter à votre bord. Et je connais le nom d'une taverne. Je vais t'en donner deux, c'est les deux plus
connu, ou peut-être que Ruby t'en a parlé, elle doit bien connaître tous les tripots du secteur. En tout cas, à Basse-Terre, tous les bâtiments rouges que vous voyez sont des tavernes ou des cabarets ou des auberges. Et en bleu, c'est les maisons de passe. Voilà. Sur les cartes, il n'y a marqué que les choses importantes. Les trois plus grosses qu'au moins que tu connais, toi, tu vas avoir le boucan de Brest, le quai du Mousse. Thématique. Boucan de Brest, voilà, connu parce que on y mange de la viande fumée de boucanier, hein, de boucan et de Brest parce que le propriétaire est de Brest. Il y a le quai du Mousse qui est un peu plus petit mais qui a bonne réputation. Et enfin le Dragon Rouge qui apporte son nom puisque de son propriétaire n'est pas français, qui est gallois et qui a vaguement peint à l'origine un drapeau gallois sur sa porte. Mais il ne reste plus que le dessin, un vague dessin de dragon rouge, et d'où le nom qu'on a gardé, qui est un établissement aussi assez réputé. Les trois notés sont un peu trois, que je t'ai dit, trois établissements assez réputés, ou du moins que tu connais. Ouais, bah, du coup, genre, je leur donne rendez-vous chez le Boucan de Brest. Boucan de Brest. Très bien. Quand même, pour la petite nantaise, pour l'instant. Voilà. Puisque la petite nantaise, puisqu'il s'appelle toujours la petite nantaise. Très bien. C'est ça. C'est vrai qu'il va falloir faire ça assez vite, puisque après, bateau... Bon, pour l'instant, il est sans trop surveillance, mais bon, c'est pas trop grave, vu son état... C'est pas le premier bateau qu'on va vouloir voler dans la baie. Que faites-vous? Ben moi, une fois que ben on est réunis tous les quatre, tous les cinq même, je dirais, avec Juan, je leur propose en fait de venir manger et dormir chez moi ce soir parce que je vais retourner voir mes parents pour leur dire que je suis rentrée et que je suis là. Je vais passer juste au marché pour acheter 2-3 trucs pour manger ce soir, vu qu'on est beaucoup. Et je les invite donc tous à... Ah, le marché en soirée, ça va être maigre, hein. Bah, je sais pas, il n'y a pas des trucs où acheter quelque part? T'as de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. Pardon. Bah, oui. Y a pas un vendeur de tacos ou un kebab dans le coin? Non. Ouais, dans le coin, ouais. En soirée comme ça, les choses se ferment en général à la nuit tombée. Hein. Après, tu sais que tes parents ont sans doute des réserves, tu pourras sans doute leur. Est-ce qu'on peut acheter de l'alcool dans un bar, dans une taverne? Oh bah, et les prendre avec nous. Si tu veux des bouteilles, oui, effectivement, on te vendra des bouteilles hein, pleines. Hein. Tu pourras les amener où tu veux. Hein. D'accord. Bah, je vais acheter quelques bouteilles et les ramener en fait, et tous les emmener en fait chez moi. S'ils veulent, bien sûr. Tu te diriges vers une taverne, c'est ça? Oui, pour acheter du vin et de l'alcool. Faire plaisir à vos bonnes. Hein. Très bien. Les autres, on va. Grubby vous a donné rendez-vous. Chez ses parents, vous indiquant où. Bah, on est à la liste de la Basse-Terre, en fait, genre vraiment excentré de la ville, quoi. D'accord. Et pourquoi vous indiquer où c'était? Et y allez-vous directement? Faites-vous autre chose? L'accompagnez-vous? Que sais je cherche de la liquidité. Je sais pas où c'est indiqué cette balle de la liquidité. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Parce que quelqu'un ici me dit qu'on a de l'argent. Je me pose la question. Non, pas toi. T'as dit que elle a de l'argent.
Ah. Après toi, je sais pas. Oui, mais voilà, ok, d'accord. Moi aussi, j'en ai un peu, j'en avais chouré dans le camp des Anglais au début. Moi, sur le bateau, je crois bien, j'en avais trouvé. Ouais, ouais, après, c'est dans possession, si vous en avez, vous en avez. Hein. Tout le monde en a pas. Hein. Ah, c'est mais pour toi... ça, je paye ma tournée. Non, mais bonbonne, là, si tu cherchais un peu d'argent, on est toujours chercher de l'alcool et du tabac. Excusez-moi, là, chacun sa priorité. Avec l'argent, on peut acheter de l'alcool et du tabac. Oui, mais c'est difficilement trouvable au milieu de la jungle. C'est pas faux. Et l'alcool au tabac aussi, d'ailleurs, c'est difficilement trouvable au milieu de la jungle. Tu l'as constaté, bonbonne. Oui, mais j'espérais en trouver sur les cadavres. Si tu fais fermenter un cadavre, il y a peut-être moyen. Oh, excellente idée, tiens. J'essaierai. C'est dégueulasse. Ça va être sympa, toi, sur le bord de votre navire. Avec 10 qui se taillade de partout. Moi, je pense que comme j'ai rien, je vais peut-être aller vendre mes capacités de soigneuse dans les tavernes. D'accord. Je sais pas comment tu veux faire ça, mais je me balade en demandant des prières, et quand je vois quelqu'un qui est un blessé, je lui propose... Tu vas... De locaux. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire un... Non, je vais pas vendre mon corps, hein. Ça va pas, Kaolo. Il serait consommateur, hein, je pense. Hein. Non, mais t'as fait une pause après vendre, tu vois, j'ai une peur. Tu vas me faire un commerce. Un test de commerce avec vu que tu y vas quand même un petit bonheur la chance, ça va être du cœur plus action plus non ça va être plus cœur plus perception plus humain. Oh sa mère en vrac. C'est une bonne idée. Alors en fait, tu remarques que tu te balades en ville et tu agis de manière à qu'on comprenne que tes beaux corps et les sorciers vaudous, bizarrement, les gens s'écartent de toi et préfèrent t'éviter. Alors peut-être que tu aurais pu avoir par chance quelqu'un qui serait intéressé. Mais en fait, tu apprends quelque chose et tu apprends quelque chose qui explique un peu peut-être pourquoi les gens t'évitent, puisque t'entends vaguement les gens qui t'évitent et qu'il y a un gouverneur, que le gouverneur vient de changer à la tortue. C'est un gouverneur temporaire qui s'appelle Ferdinand de la Souve de Laps. Voilà, je vous l'écris parce que forcément. C'est un fameux gaillard. Hein, et surtout, il a décrit. Qui apparemment il a déclaré le vaudou hors la loi sur l'île. Donc ça explique c'est pourquoi le gens, te connaissant pas en plus, ça explique sans doute pourquoi les gens étaient vite. C'est une folie. Cet homme va sûrement avoir de graves problèmes dans pas longtemps. Et ma situation sera réglée. Voilà. Pour les autres, donc tu peux trouver des bouteilles. Tu trouves des bouteilles ouais, je vais voir combien elles sont. Et oui, je vais te regarder ça. Et les autres, par contre, vous faites quoi? J'aurais voulu faire le tour de la ville, moi. Parce qu'au final, je la connais pas, moi, l'île de la Tortue. Alors. Essayer de me repérer, prendre des points de repère, savoir où et quoi. Ouais, moi, je l'accompagne. Ouais. Donc sur l'île de la Tortue, vous pouvez remarquer déjà son fort,
hein, qui est au-dessus de Basse-Terre. Enfin, vous, vous êtes à Basse-Terre. C'est l'endroit où, de la baie où il y a le plus grand espace de bateaux pour jeter l'ancre. D'accord. Un tour rapide, ce que vous remarquez, c'est le fort. Il y a des batteries de canons aussi. Donc ça, c'est ce que vous remarquez assez facilement, assez vite. Au niveau où il y a les deux petits bateaux, vous voyez que il y a des bateaux en cale sèche. Donc il y aura des possibilités sans doute. C'est des navires en carénage, donc éventuellement vous pourriez réparer les bateaux à cet endroit-là. Le bâtiment, grand bâtiment en forme de U, c'est un tribunal. Vous remarquez qu'il y a une potence devant. Il n'y a personne au bout des cornes, c'est rassurant, mais la potence est posée. Hein. Et les bâtiments ici sont des entrepôts. Vous supposez que dans les maisons proches, il doit sûrement avoir des marchands avec lesquels marchander pour vendre ils ne doivent pas être trop regardants sur la provenance de marchandises. Hein. C'est un peu le principe de Port de la Tortue. Et où vous pourriez sans doute vendre les marchandises de vos futures prises, s'il y en a. Il y a le fort. Et ici, juste à côté, en remontant vers le fort, ici, il y a d'autres endroits sans doute notables, mais la nuit tombant, vous remarquez que, par contre, ici, c'est la prison. Il y a une prison. Voilà, sur la route, le long de la route menant au fort. Après, la ville, vous remarquez clairement, c'est beaucoup de petites maisons, surtout de bois. En bord de plage, il y a beaucoup de tentes ou de presque de cabanes, des choses assez relativement préfabriquées où vous doutez que dorment des marins de passage et autres. Après, il reste des tavernes et des auberges, surtout des auberges qui doivent sans doute accueillir de quoi dormir. Des hôtels, il y en a peut-être, mais vous en voyez pas. Du moins dans un premier temps. Par contre, vous remarquez qu'il y a de nombreux bâtiments de lieux de boissons et de lieux de détente. Il est vrai que finalement, comme nombreux les pirates, on veut la belle vie, on va en faire des prises et après on dilapide un peu rapidement un peu tout. Donc une bouteille de tafia, ma chère Ruby, ça coûte 2 pièces de 8. 2 pièces de 8, putain, c'est chéro, ça. Il y a quoi d'autre comme bouteille, en fait? Tu peux avoir si tu veux autre chose. Le tafia, c'est le moins cher. Hein. D'accord. Ok. Après, donc le tafia, c'est un alcool à base de canne à sucre, mais c'est pas du rhum. D'accord. Et le rhum? Le rhum, ça n'existe pas à l'époque. D'accord. Vous buvez du tafia. C'est pas de la piquette? Non, c'est assez... Non. C'est un alcool à base de résidus de canne à sucre. C'est pas vieilli comme le... Comme le rhum, en fait. Je suis allée à la taverne dont je connais le mieux le gérant, on va dire. Je l'ai déjà croisé, quoi. Et je vais le voir en lui demandant s'il peut pas me faire un prix si je lui prends 2-3 bouteilles. Voilà. Je négocie un peu, quoi. Pour le prix de 3 bouteilles, ouais. Vas-y. Tu fais à toutes tes... Faire un... C'est cœur plus action. Ça dépend. Comment tu t'y prends pour Je rentre dans le bar, je le salue, je fais hey, salut, comment ça va et tout, je suis revenu, je vous ai manqué.
Je dis, ben, il me faudrait 3 bouteilles de... Merde, comment ça s'appelle déjà ? Tafia. De Tafia. De Tafia, s'il te plaît. Et je voudrais les prendre tout ça. J'ai une petite bringue à organiser. Entre copains, est-ce que tu pourrais pas me faire un petit prix d'amis en sachant qu'on se connaît depuis longtemps ? Tu vas me faire un cœur plus action, plus humain, plus commerce, tu vois. Difficulté, t'as moins 2. Moins 2 ? Moins 2. Bah, c'est une connaissance, oui. Enfin, une connaissance, c'est pas un ami. Hein. C'est... Tu connais, quoi. Tu es déjà venu acheter des bouteilles chez lui, en gros. Mais commerce, il envoie du passage. Ben, c'est... t'as pas déjà. C'est mieux que rien. T'as dit cœur plus action. Plus ta réussite, si t'as une réussite, plus celle-ci est élevée, plus. Allez, je mets un d'énergie parce que je vais vraiment faire plaisir à Bonbonne. Donc tu mets un d'énergie. Et tu mets quelle énergie? Bah c'est quoi? C'est souffle. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est dans quelle énergie tu puises? Dans la volonté. Je veux vraiment ces bouteilles. Je les veux vraiment. Oui, mais j'ai pas volonté. Moi, j'ai puissance, précision ou rapidité. Faut que tu arrives à me l'amener, en fait. Ah, merde, sur la précision, je vois clairement, mais... Bah, en fait, c'est une réussite. Hein. Même sans... Bah, je mets de la puissance. C'est bon. Pour apporter vraiment des arguments à ma parole. D'accord. Donc, tu perds un point de souffle. J'ai oublié de le dire, mais votre voyage a été un peu reposant. Vu qu'on était en fin de cycle, vous allez récupérer... vous êtes en full, en fait. Vous êtes full, surtout. Même sur votre psychique et blessure et autres. Vous allez récupérer tout ça. Ça s'en fait du bien. Voilà. Donc, t'as réussi. Ah, il dit ok, ok. Bah, pas. Et donc, il accepte 3 bouteilles de te le faire à 5 pièces de 8. Ok, bah, je lui donne 5 pièces de 8. Je suis contente. Les 3 bouteilles. Ça va, hein. Donc, fais la 3e bouteille à moitié prix, quoi. Ouais, parce que tu me prends 3 bouteilles. Hein. C'est à quelle taverne que tu passes hein? Bah, c'est laquelle que je connais le mieux, genre la plus proche de Basse-Terre. Ah bah, c'est celle que tu veux. Tu me donnes un... Soit tu me donnes un nom que j'ai déjà donné, le boucan de Brest, le quai du Mrousse, le dragon rouge et aussi le pendu. Bah, le dragon rouge. Le dragon rouge, d'accord. Donc, t'as dit 5 rouge, Et vu que tu passes au dragon rouge, ben, le hasard fait que tu vas me faire un test. Bien sûr. De corps plus perception plus humain moins 4. Moins 4, putain, je vais jamais y arriver. Et observation, mais t'as 0 en observation, donc ça change rien. Corps, perception, humain, c'est ça? Ouais. Ah non, c'est la moins seule qui peut. C'est la seule charpentière du groupe, là. Faut qu'elle meure tout de suite. Ah, oh, ça va. Non, bah tu sors avec tes 3 bouteilles et tout va bien. Ok. Et je vais direct chez moi, du coup. Va bien. Tu retrouves les autres. Je vais direct chez moi, en fait. Ouais. Tu retrouves les autres sur le chemin et vous prenez la direction de. De chez Ruby. Je montre en mode habite, regarde regarde. Elle habite non loin de la prison, un lieu très sympathique en bordure de. C'est bouteille pour moi. Pas toutes, mais la plupart sont pour toi, oui. Puis la plupart alors. Bah deux, allez deux. Et vous arrivez donc devant la maison donc, de chez Ruby. Ruby, ben je te laisse décrire ta maison.
Ta maison d'enfance. Ça ressemble à quoi, cette maison? Donc, en fait, quand on arrive près d'Abasté, en fait, elle est un peu, enfouie dans la jungle, en fait. On la voit pas trop sans s'approcher. On est vraiment excentré de la ville, en fait. Et il y a une sorte de petite bâtisse avec une grange et un petit potager, en fait, devant la maison. C'est très, très simple, en fait. Très cosy et tout ça. Et en fait, oui, bah, ce côté, on n'a pas spécialement d'animaux, on a quelques moutons et quelques chèvres, quoi. Mais on n'a pas grand-chose, quoi. C'est vraiment très, très simple. Est-ce que cette description te suffit? Oui, il te faut plus. Ah non, moi, tout me va. Vous arrivez devant cette petite demeure assez simple, effectivement modeste, et vous voyez qu'il y a de la lumière. Les volets ne sont pas tout à fait fermés, mais on voit pas l'intérieur. Il y a des rideaux tirés. La nuit vient de tomber, hein, comme je te disais. Après, la nuit dans les Caraïbes, quand il fait nuit, très très sombre, mais vous voyez la lumière qui éclaire un tout petit, qui vient des fenêtres, qui éclaire un tout petit peu les abords de la maison, et qui est suffisant pour vous, au moins, ben, pour vous diriger vers la porte en suivant Ruby, hein, qui elle-même connaît par cœur ce chemin. Que fais-tu, Ruby? Ah, du coup, je m'approche de la porte, je toque à la porte fort en disant « Papa, maman, c'est moi, ouvrez !» Ah, la porte s'ouvre rapidement et vous voyez cette femme qui ouvre la porte. Oui, un visage très surpris et très enjoué aussi, hein, ravi. Elle te saute littéralement dans les bras, Ruby. Ah, ma fille, je te croyais perdue depuis tout ce temps. Je suis rentrée, maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tu vois ton père derrière, hein, donc vous voyez le père de Ruby, haute stature, un homme qui se tient un peu à l'écart, bien droit, un peu... On voit qu'il veut pas trop montrer moins représentatif, quoi, que sa mère. Elle a l'air très exaltée. Mais par contre, ce que tu remarques et ce que vous remarquez tous, alors que vous êtes là, hein, Kaolo, dans un premier temps, ta mère te serre dans tes bras très fort, et puis elle regarde à droite derrière toi, elle regarde à gauche, et elle a l'air de chercher un peu quelque chose, et puis son visage change un peu, et elle dit « Ah, mais tu es seule ?» Oui. Elle vous regarde de nouveau, Lys, Kaolo et Bonbonne, elle dit « Non, excusez-moi, je voulais pas parler de vous, mais tu n'es pas avec ton frère. Ton frère n'est pas avec toi. » Non, je pensais qu'il était avec vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée me balader sur la plage il y a quelques jours, je me suis fait enlever et je me suis retrouvée sur un bateau. Oui, c'est comme ça que tu étais. Oui, ça fait une dizaine de jours. Ton frère était quand même assez inquiet. Hélas, ça fait 2 jours qu'il a disparu. Il était très très inquiet. Il mentionnait toujours qu'il voulait partir à ta recherche. On se demandait s'il n'était pas vraiment passé à l'acte. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Deux jours. 2 jours. Où est-ce qu'il est encore passé? Je fais bon, écoute, je te présente mes amis, c'est eux qui m'ont aidé à rentrer à la maison. Donc voici Lys, une femme que j'ai rencontrée, je les ai tous rencontrés en fait sur le bateau sur lequel j'ai été enlevée. Voici Bonbonne et Kaolo. Elle hésite un peu, hein, t'es en train de les présenter comme quoi.
tu as que ce sont tous des prisonniers évadés en fait. Bah je lis le synopsis en fait. Oui, oui, mais toi t'es sa fille. Eh bien, enchanté. Mais entrez, entrez, entrez. Hein, si vous m'avez ramené d'une certaine manière ma fille, vous êtes bien bienvenue sous notre toit. Et puis le père. Bah bien sûr, installez-vous, asseyez-vous. Je pose les bouteilles sur la table et je chuchote dans l'oreille de ma mère, je fais « Je t'assure, ne t'inquiète pas, ils sont fiables, je te le promets. » Tina, ça c'est le père, Tina, après je ressors un peu de ragoût, je suis sûr que ces gens, les rubis doivent mourir de faim après. Après cette longue route jusqu'ici, effectivement, la mère de Ruby s'occupe d'aller chercher ce qu'il faut pour subtenter. Que faites-vous ? Moi, je suis très inquiète pour mon frère, en fait. J'aimerais bien faire un tour dans la ville, mais... Je suis perplexe, en fait. Je sais pas quoi faire. Je m'assois, mais... On voit que je suis pas dans mon état normal, en fait. Les autres ? Ouais, ben moi j'ai envie de parler de ça aussi. Je vais engager la conversation peut-être avec Tina. Mais ça arrive souvent qu'il s'absente comme ça, votre fils. Ça fait 2 jours, il a quel âge, cet enfant ? Il a 13 ans. Ah ouais. Ah, c'est déjà un homme. C'est la mère qui dit ça ? Non, c'est le père. Mais c'est vrai, à 13 ans. Il y en a qui montent déjà à bord des navires, hein. Même plus jeunes que ça, pour être tous. Oh, bah s'il a 13 ans, alors. Ben oui, mais non, c'est pas... Enfin, il s'absente de la... père répond qu'il s'absente régulièrement de la maison, 12 ans, bien sûr, pardon, hein. il a 12 ans. Mais non, 2 jours, effectivement, je l'ai cherché moi-même toute la nuit dernière, en ville... sans succès. Je suis mort d'inquiétude. Mais... Ah, on pourra parler autour de nous pour voir s'il a été aperçu embarquant sur un bateau. Il s'appelle comment ? C'est rare, en tout cas. Il s'appelle Jack. Jack, c'est un jeune... c'est un jeune garçon, en fait, assez fin, avec une tignasse très rousse, comme ma mère, en fait, et un visage très, très jeune, un peu comme Peter Pan, qui est toujours le sourire aux lèvres. C'est quelqu'un de très jovial, en fait, qui est très avenant avec les personnes et toujours porté sur autrui, en fait. En tout cas, si votre garçon sait se défendre comme votre fille, vous n'allez pas vous inquiéter. Je rigole un peu jaune. Elle devait être romande quand elle était petite, celle-là. Le père fait les yeux noirs. Je comprends que tu t'es encore mis en danger. Je suis toujours inquiet. Effectivement, toujours eu un tempérament téméraire, mais... Vous savez, là où on était, elle n'a pas vraiment eu le choix. J'essayais de vous retrouver, papa. C'est une larme qui coule. Je pense qu'ils sont au courant pour les oreilles, Kaolo. Alors, effectivement, ce que vous voyez, d'ailleurs, c'est que le père, il lui manque un bout d'oreille, en fait. Alors, vous pouvez vous demander si c'est... Est-ce que ça serait sa propre fille qui a coupé l'oreille ? Oh mon Dieu ! Elle a commencé par lui. En fait, il lui manque un bout du lobe de l'oreille droite. Je resserre un verre à bonbonne pour qu'il se taise. Ouh, c'est pas mal ce que tu nous as trouvé, Ruby. Un peu fort, quand même. J'ai essayé de prendre le meilleur pour vous, parce que vous, vous êtes les meilleurs. Oh... Après, si t'en veux pas, hein... Ah, si Ah, je parlais pour Lys. Ah, je t'ai pas dit que j'en voulais pas. J'ai dit que c'était un peu fort. Je vais en boire moins que toi, sûrement, mon bon, t'inquiète. Mais, père hésite, et puis il dit, mais c'est vrai que...
tes amis ont peut-être plus de chance à aborder les gens, certaines personnes peut-être sur la plage, dans les tavernes. Moi et ma réputation, c'est vrai que mes recherches hier soir n'ont pas donné grand chose. On essaiera de vous aider. Ah, j'aurais peut-être un moyen de pouvoir le retrouver plus facilement, mais il paraît que votre nouveau gouverneur n'aime pas trop ce genre de choses. Effectivement, depuis peu, il se passe beaucoup de choses. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on sait que le gouverneur a changé, un gouverneur temporaire. J'ai pas trop compris, ils en parlent un peu au taverne, vous en saurez peut-être un peu plus. Ils parlent de nouvelles venues d'Europe, venues de France. Et ça fait pas mal de remue-ménage depuis quelques jours. Et entre autres, ce changement de gouverneur temporaire, qui a été mis suite au décès du précédent. En fait. Celui-ci a décidé que le vaudou n'avait pas sa place sur l'île de la Tortue. Et il a fait arrêter quelques sorciers qui avaient un peu plus pignon sur rue. Enfin, les gens restent toujours un peu discrets quand même. On se doute que les beaux corps, bon, les navires pirates ou corsaires sont d'une certaine manière pas protégés, mais on les taquine pas trop tant qu'ils sont avec leurs équipages et qu'ils ne font pas de bruit, quoi. Ce qui se passe en mer, se passe en mer. Ça a toujours été le cas pour la tortue. Comme si un être humain pouvait décider de où le vaudou peut s'exercer. C'est bien de la vanité d'un gouverneur, ça. Le décès de l'ancien gouverneur, c'est quoi ? Une mort de vieillesse ? C'est accidentel ? Maladie. Pas un bon. J'espère que ça n'attirera pas de malédiction sur cette île, cette histoire. Non, je bois un peu, mais c'est vraiment pour oublier le fait que mon frère n'est pas là, en fait. Allez, trinquons au retour de Ruby et bientôt de Jack, j'en suis sûr. On le retrouvera. Et Artina vous sert du ragoût, hein, alors que vous trinquez. Vous voyez qu'elle était très enjouée de voir sa fille. Elle est toujours heureuse, elle te lance régulièrement des sourires. Mais dès qu'elle tourne la tête, on voit quand même de l'inquiétude. Hein. D'un côté, elle est heureuse de retrouver sa fille, et de l'autre, elle est toujours inquiète de ne pas avoir sans doute la disparition de son fils. Vous prenez un bon repas, hein. Vous pouvez arroser. Je ne sais pas à quel point vous arrosez ce retour à la terre ferme. Moi j'arrose, c'est sûr. Je me lève et je vais m'asseoir à côté de mon père et je lui fais un câlin, je fais tu m'as beaucoup manqué. Ah, il essaye de faire figure, hein. Quand même c'est un homme et puis devant le reste des personnes invitées, mais tu peux voir que celui-ci est quand même très ému et très très heureux de retrouver sa fille. Effectivement, il te serre aussi dans ses bras et on peut lire l'émotion dans ses yeux. J'ai pensé à vous tout le temps où j'étais partie. Et malheureusement, j'ai rêvé de ce qui s'est passé. Peut-être un présage, je sais pas. Mais vous avez une idée de comment Ruby a atterri dans ce bateau ? Non, pas vraiment. C'est des choses qui arrivent ici. Là, je commence à la raconter. J'en dis, écoutez, en fait, notre famille n'est pas très bien vue au village. On a eu quelques soucis avec mon père, et en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent au village sur nous.
Et mon frère, en fait, ne fait pas partie de ce cercle, en fait, de haine. Parce qu'il est né bien après ses problèmes. Je vois pas l'intérêt... Enfin, je vois pas l'intérêt que quelqu'un aurait. Je savais même pas, en fait, que mon frère serait capable de me chercher comme ça. Je le pensais plutôt assez timide. Et le fait que je sois partie, je pense que là, ça a beaucoup chamboulé et je sais absolument pas où est-ce qu'il pourrait être et ça me tracasse. Écoute, demain, à la première heure, on essaiera d'en savoir plus. Sûrement quelqu'un qui l'a vu, c'est pas possible. Il n'a pas pu s'évaporer comme ça. C'est ça que je trouve ça bizarre. Normalement, il aurait dû rentrer depuis déjà un moment et je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Il serait pas parti sur un bateau ? Non. Non, depuis qu'il est petit, ça a jamais été son grand rêve de faire des voyages, contrairement à moi. Mais c'était plus son rêve à lui, c'était plus d'aider mon père en fait à la boutique, parce qu'en fait on a une boutique, une petite échoppe en fait où on répare en fait tout ce qui est voilerie et on fait beaucoup aussi tout ce qui est. Mon père est tailleur en fait. Mon père est tailleur. Il est pas là ? Oh oh. Tout ce qu'on sait, c'est il était parti. Il traînait beaucoup avec un ami à lui dernièrement à Cayonne. Thomas. Qui Thomas ? Bon, effectivement, hein, tu connais un garçon à l'âge de ton frère. C'est le fils de qui ? Je le connais d'où ? Bah, tu le connais parce que t'as un enfant qui de l'âge de ton frère, hein, qui ton frère c'était son copain quoi, hein. ils sont amis et à l'origine ses parents habitaient tout près des tiens et son père sa mère est décédée et puis son père est allé vivre à Cayonne dans une maison bien plus petite mais ton frère a gardé ce lien. Oui, c'est vrai qu'il s'entendait bien avec Thomas. Et j'ai voulu aller les voir hier, mais ils étaient absents. Son père comme Thomas, donc peut-être que vous aurez plus de chance demain. J'ignore. D'accord. T'inquiète pas, on va essayer de chercher de partout. S'il faut fouiller toute l'île, centimètre par centimètre, on fera ça. De toute façon, pour ce soir, c'est mort. Enfin, ça ne sert à rien. Le gouverneur a mis un couvre-feu en place pour éviter justement les rites vaudous. Confinement. C'est ça, confinement. Il s'avère qu'en fait, l'ancien gouverneur est tombé malade. CD a été remplacé par ce fameux... ce nouveau gouverneur Ferdinand de la Souffle de Laps et de Laps a eu soudain des accès de fièvre et apparemment ça serait il mettra en cause le vaudou et d'où en fait le fait qu'il se décide à interdire le vaudou sur l'île pour vous reposer. Bah du coup, j'ai à la nuit tombée et ont bu et revu. Ils en savent pas plus. Tout ce que te dit régulièrement ton père ou ta mère, c'est vrai que ton frère, depuis ta disparition, était très inquiète. S'était mis en tête de te retrouver quoi qu'il en coûte. Il en reprochait même apparemment. Début de l'adolescence peut-être, il reprochait même à tes parents que eux-mêmes ne tentaient rien pour te retrouver, qu'il y avait sans doute sûrement une solution et
Il était sûr que tu étais à raison, que tu étais en vie. Et... c'était un peu sa seule idée en tête depuis quelque temps. Quelque temps, ça fait ton enlèvement, ça fait presque 10-15 jours hein, quand même que tu as disparu. Quoi. Ouais. Bah écoute, je prépare ma chambre pour Lys, histoire qu'elle puisse dormir sur ma petite couchette. Parce que mon frère et moi, en fait, on dort dans la même chambre. Donc en fait, il y a deux petites couchettes. Et je prépare ma couchette pour qu'elle puisse dormir. Et je regarde dans la chambre s'il n'y a rien qui a changé d'un coup d'œil comme ça. Et puis je vais préparer la grange aussi pour les garçons qui puissent dormir correctement quand même. Parce qu'on n'a pas d'autre chambre en fait. Il n'y a que la chambre de mes parents et notre chambre à nous. C'est très modeste. Donc je leur prépare quelque chose dans la grange de bien cosy, tout ça, histoire qu'ils puissent se reposer tranquillement dans la grange. Très bien. Messieurs, Madame Lys, que faites-vous? Vous dormez? Vous faites autre chose? Vous faites le mur? Je ne sais pas. Ah, moi je m'effondrais sur la couchette. J'espère que c'est la bonne, d'ailleurs. Si je lui montre, je lui fais, c'est celle-là, la mienne. Tu peux te coucher, vas-y, je t'ouvre préparé. Ouais, d'accord. À demain. Moi, je vais dormir, mais pas avant que les bouteilles soient vides. Eh ben, exactement. J'allais dire exactement ça. Si, pour éviter de faire du bruit, on va aller dans la grange, je pense. Ah, oui, s'il en reste, on va finir dans la grange. Mais à la fin, je m'écroule. Du coup, je leur prépare un petit lit de paille et tout ça, et puis je retourne dans la chambre et je regarde si rien n'a changé, s'il y a quelque chose qui a été déplacé, volé, il manque quelque chose. Voilà. Non, pas particulièrement. Il manque les objets qui manquent quand ton frère est absent, quoi. D'accord. Tout simplement. Mais il n'y a pas le collier qu'il porte d'habitude, quoi, avec ce que je lui ai donné. Non. Il n'est pas là, son collier. D'accord. Son collier n'est pas là. Il a tendance à... Il a un petit couteau qu'il a en main, souvent. Il dit souvent, il est assez fier de ce couteau. Parce que, c'est papa qui lui a donné, il est content. Voilà, et puis il part un peu à l'aventure quand il est armé de son couteau, là. Il se sent un peu téméraire et cet objet n'est pas là. D'accord. Mais c'est pas normal, souvent il le prend pour partir. Donc, voilà, et mis à part ça, non, il n'y a pas, tu vois, il a une deuxième chemise, parce qu'il a deux chemises, sa deuxième chemise propre est bien là, et il n'a pas fait un baluchon. Donc voilà. Ok, rien d'anormal quoi. Non, comme s'il était parti là, il y a 5 minutes. Ah, du coup, je me couche sur son lit et puis je m'endors dans les larmes. Et tu t'endors en larmes, en sanglotant, faisant regretter peut-être Alice de ne pas être allée se coucher dans la grange.